Monsieur le coordinateur du PSNDEA, mesdames et messieurs les représentants des forces de défense et de sécurité, chères mamans du vivrier, honorables chefs traditionnels et valeureux cadres et employés de l'OCPV, hommes et femmes des médias, honorables invités, mesdames et messieurs. À l'entame de mon propos, je voudrais tout d'abord vous remercier et vous saluer pour votre présence significative à cet événement qui nous réunit cet après-midi. La remise officielle des matériels roulants à l'Office d'aide et à la commercialisation des produits vivriers, OCPV, par le projet de solution numérique pour le désenclavement des zones rurales et de l'agriculture, PSN2A, piloté par mon département ministériel. Je me réjouis en particulier de la présence parmi nous de mon collègue et frère, monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, monsieur Souleymane Diarra-Souba. C'est vrai qu'on a la chance de le voir aujourd'hui. On le voit plus sur les plateaux télévisés que dans le bureau actuellement parce qu'il est vraiment sur le terrain en train de lutter contre la vie chère. Et monsieur le ministre, cher frère, en tout cas, beaucoup de courage pour ce travail de longue haleine et surtout pour tout le travail que tu fournis depuis près de 6 ans de présence bientôt à la tête de ce département ministériel. Et vraiment, tu as tout notre soutien. Ce matin, nous étions ensemble au Conseil des ministres et tu as eu de nouveau le soutien appuyé du président de la République et du premier ministre du gouvernement. En tout cas, je ne peux que me féliciter de la bonne collaboration entre nos services respectifs, qui sont notamment l'OCPV et le PSNDEA. Je remercie aussi la Banque mondiale, même s'il ne sera pas présent aujourd'hui, mais la Banque mondiale pour la qualité des relations qu'elle entretient avec la Côte d'Ivoire et surtout pour l'accompagnement dont nous bénéficions dans le cadre de ce projet du PSNDEA. Pour rappel, en vue de réduire la fracture numérique et moderniser le secteur agricole, notre pays a bénéficié d'un appui de 37 milliards de francs CFA de la Banque mondiale pour la mise en œuvre du projet PSNDEA. Un projet qui entre dans le cadre de nombreuses actions pilotées et dirigées sous le leadership de le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et matérialisé par la mise en œuvre effective du premier ministre chef du gouvernement, M. Patrick Hachi. Et le plus important pour nous, c'est réellement de construire cette Côte d'Ivoire solidaire et aussi d'améliorer les conditions de vie de notre population. Mesdames et messieurs, les politiques mises en place en faveur de la relance économique, axées sur la modernisation de tous les secteurs d'activité, incluent bien évidemment le secteur agricole, car la Côte d'Ivoire est encore et avant tout un pays agricole. Et l'ambition de mon département ministériel, c'est de faire en sorte que les technologies de l'information et de la communication permettent justement de développer le secteur agricole, que nous allions encore beaucoup plus loin dans l'agriculture. L'objectif de développement du projet PSNDEA est d'accroître l'accès aux services numériques dans les zones rurales, d'améliorer la productivité des exploitants agricoles et surtout de faciliter l'accès au marché par le biais de plateformes numériques en zone rurale et aussi d'améliorer les routes rurales, notamment par le profilage de ces routes-là. Nous avons vécu depuis 2020 la Covid-19 et le projet PSNDEA s'est réorienté afin d'améliorer l'impact de cette crise sur le secteur agricole. Donc comme l'a dit tout à l'heure le coordinateur du projet, il est fait en 5 composantes que je vais vous faire l'économie de répéter, mais dans le cadre de ces 5 composantes, il y a la composante 5 dont le but est le soutien au secteur agricole dans le cadre de la Covid-19. Donc, dans le cadre de cette composante 5, le projet PSNDEA a mis à la disposition de l'OCPV du matériel informatique, donc là, tout à l'heure a été répété donc, par le ministre du Commerce et de l'Industrie, aussi des équipements électroniques, donc des pesons, des tablettes, des téléphones mobiles. Et donc j'ai l'honneur de vous annoncer
que 50 smartphones qui ont été livrés aujourd'hui seront livrés à l'équipe de l'OCTV d'ici la fin de la semaine. Et bien évidemment aussi du matériel roulant, comme vous avez vu aujourd'hui, donc les 17 véhicules, les motos, pour faciliter l'opérationnalisation de cette plateforme numérique. Et aussi, donc, il y a eu pas mal d'actions qui ont été menées pour le renforcement des capacités de l'OCPV. Donc, étant donné que nous avons eu beaucoup de discours très brillants et très détaillés sur tout ce qui a été fait, je vais faire l'économie de tout répéter. Mais ce qui est important pour nous, c'est de faire en sorte que notre Côte d'Ivoire, notre pays, devienne avant tout un pays digital. Et le cas de ce projet, vous savez qu'on a remis des véhicules, on a remis des motos, on a remis des ordinateurs, on a remis des tablettes, mais c'est surtout de pouvoir faciliter le traitement de cette chaîne de valeur en la rendant beaucoup plus digitale et en l'automatisant. Et de faire en sorte que les agriculteurs puissent avoir des informations en temps réel grâce à la plateforme numérique que nous avons déployée depuis le mois de février 2022. C'est cela vraiment le cadre de notre projet, c'est ceci vraiment notre ambition, de faire en sorte que les agriculteurs, la Côte d'Ivoire TP Agricole, puissent rentrer réellement dans l'ère du digital et que nous puissions mettre en place des plateformes de paiement qui feront que nous allons réduire le temps de traitement de beaucoup de choses et surtout que nous allons leur donner les moyens d'avoir rapidement leur argent et le sécuriser par des paiements digitaux. Donc, l'importance de la plateforme numérique permettra aussi d'avoir des informations en temps réel sur les prix, sur les stocks disponibles par localité et aussi, grâce aux informations que nous allons soumettre et fournir au ministère du Commerce, nous allons pouvoir continuer à lutter contre la vie chère. Donc, monsieur le directeur, président de l'OCPV, en tout cas, et monsieur le ministre du Commerce, donc, prenez bien soin de ce matériel. Comme l'a dit le ministre, l'effort que l'État fait pour vous n'est pas fini, n'est pas terminé. Et c'est vrai que j'avais connu l'OCPV il y a quelques années de cela, et je connaissais un directeur dont je tairais le nom, qui disait que c'était pour lui un travail bénévole et puis qu'il voulait arrêter. Mais je vois que, grâce au guichet automatique du bonheur, sous l'impulsion du ministre du Commerce et de l'Industrie, c'est désormais une équipe compétitive, avec des moyens techniques modernes, qui est sur le terrain et qui lutte contre la vie chère. Et je vois aujourd'hui, je comprends aujourd'hui toute la problématique du ministre du Commerce et de l'Industrie. Je peux vous dire qu'en conseil de gouvernement, en conseil de ministres, il se bat vraiment pour vous. On ne lui rend pas la vie facile tous les jours. On le harcèle de questions et il répond valablement, vaillamment, et il travaille pour vous. Et je suis avec vous aujourd'hui et je comprends d'autant mieux son combat. Je comprends d'autant mieux cette lutte qu'il mène à vos côtés et vraiment elle a besoin de vous, elle a besoin de votre soutien. La Côte d'Ivoire a besoin de votre soutien parce que nous sommes un pays agricole et la sécurité alimentaire est la base du développement de notre pays, de cette Côte d'Ivoire solidaire que nous voulons créer. Monsieur Atou, très chers frères et amis, Monsieur Siloué, vice-président du CNP du projet, Monsieur Mpoué, président de la cellule technique de suivi du projet, Mesdames et Messieurs les représentants des forces de défense et de sécurité, Mesdames et Messieurs des médias et de la presse, j'ai ainsi honneur de prendre la parole devant vous à l'occasion de la remise officielle de matériel roulant à l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers dans le cadre du projet des solutions numériques pour le désenclavement des zones rurales et l'agriculture. Monsieur le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, je voudrais vous saluer respectivement et respectueusement pour votre présence effective à cette cérémonie qui constitue une étape importante dans la mise en œuvre des activités du PSNDUA. Monsieur le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, je tiens à vous exprimer au nom de l'unité de coordination ma reconnaissance pour votre implication personnelle, de même que celle de votre cabinet dans la mise en œuvre de ce projet. Je voudrais également saluer avec respect
Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, et le remercier de l'excellente collaboration que le PSNDA entretient avec l'OCPV, ce qui facilite l'exécution des activités que nous avons en commun. J'exprime toute ma gratitude au comité national de pilotage représenté ici par M. Siloué et à sa présidente, Madame la directrice des cabinets du Beniti, pour leur implication dans la bonne conduite du projet. J'associe à ces remerciements M. Mpoué, le président de la cellule technique de suivi. Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, nous sommes ici ce jour, comme l'a dit mon frère et ami, pour la remise officielle des 17 véhicules et 50 motos acquis par le PSNDEA pour le compte de l'OCPV. Je voudrais profiter de cette tribune. Je voudrais profiter de cette tribune qui m'est offerte pour indiquer que le PSNDEA est un projet cofinancé par l'État et la Banque mondiale et placé sous la tutelle du Beniti. Sa mise en œuvre a débuté en 2018. Son objectif de développement est d'accroître l'accès aux services numériques dans les zones rurales, d'améliorer la productivité des exploitants agricoles et l'accès au marché par le biais de plateformes numériques et de routes rurales et d'atténuer l'impact de la crise à COVID-19 sur le secteur agricole. Pour atteindre cet objectif, le PSNDEA est structuré en 5 composantes. La première composante concerne l'extension de la connectivité numérique dans les zones rurales et isolées ciblées. Elle consiste à étendre la couverture des services de TIC dans les zones rurales isolées par le financement de la couverture des 175 localités situées dans les zones blanches. Nous appelons zones blanches les zones qui ne sont pas couvertes par la téléphonie mobile. Ce qui conduira à une augmentation du nombre de personnes d'administration publique et d'entreprises pouvant accéder aux services mobiles, voie et SMS et Internet. Comme acquis sur cette composante, le rapport d'analyse des offres et de sélection des opérateurs a été élaboré et transmis à la Banque mondiale pour avis de non-objection. La signature du contrat est prévue pour le mois d'avril. Je voudrais noter, Monsieur le ministre, avec satisfaction, que nous avons été en contact avec un projet similaire au Bénin, un autre projet similaire au Niger pour un partage d'expérience. Composante 2, service numérique pour le développement agricole durable. Cette composante vise à introduire le numérique dans les pratiques agricoles en zone rurale. Les activités en cours jetteront donc les bases d'une meilleure diffusion des technologies pour assurer une amélioration de la productivité agricole ainsi qu'un meilleur accès aux informations sur le marché. Concernant les acquis de cette composante, je voudrais signaler que la plateforme numérique est déployée depuis le 1er février 2022 et permet de diffuser des informations sur les stocks, les localisations et les prix des produits vivriers, de même que celles relatives aux conseils agricoles dans les régions du Haut-Sassandra et de la Maraoui. Composante 3, réhabilitation et entretien des routes rurales. Cette composante permettra à terme de résoudre en partie les problèmes liés à l'accès physique au marché par les agriculteurs dans les zones ciblées. Il s'agira donc de réaliser le reprofilage lourd avec traitement des points critiques de plus de 245 km de routes rurales dans le respect des normes environnementales et sociales dans les régions du Haut-Sassandra, du Gor, du Loguibois et du Bokani. Comme acquis de cette composante, je voudrais indiquer que les indemnisations des PAPS des personnes affectées par le projet ont été faites
et les travaux connaîtront un démarrage en avril. Composante 4 est la composante qui concerne la gestion du projet. Composante 5, soutien au secteur agricole dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Face à la crise sanitaire de la COVID-19, le gouvernement a mis en place un plan d'urgence de riposte. Dans le cadre du financement de ce plan, il a été demandé une réallocation de 11,6 milliards de francs CFA sur le budget du PSNDEA en destination des structures du secteur agricole fortement impactées que sont l'IPRAVI, l'OCPV et l'ADERI. C'est justement dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la composante 5 issue de la restructuration du projet que des accords de partenariat ont été conclus le 13 décembre 2020 avec l'IPRAVI, l'ADERI et l'OCPV. L'objectif du partenariat avec l'OCPV particulièrement est de lui permettre de mettre à disposition en temps réel les informations sur les stocks des produits, leur localisation et les prix. En 2021, après l'engagement de l'ensemble des procédures, cet appui s'est traduit dans la conduite des diverses actions au profit de l'OCPV. Je pense que je vais passer sous silence les actions qui ont été passées, d'autant plus que mon ami et frère les a déjà égrenées. Donc, à plusieurs équipements, dont les 17 véhicules et 50 motos, on pourrait ajouter le financement à hauteur de 266 millions pour la réalisation de diverses études pour le compte de l'OCPV. J'ose espérer que la réalisation efficiente de ces activités contribuera à la lutte contre la vie chère engagée par le gouvernement. Mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais pour terminer mon propos renouveler mes remerciements à l'endroit des messieurs les ministres ainsi qu'à l'endroit de toutes les personnalités présentes à cette cérémonie. Je ne saurais clore mon propos sans remercier la Banque mondiale pour l'appui technique appréciable dans la réalisation des activités du projet. Je vous remercie. Thank you.